Et salut les gens, ici c'est Michael, bienvenue sur Gmite, votre chaîne dédiée aux jeux en ligne massivement multijoueur et plus si affinité. Aujourd'hui, c'est notre émission C-Beta, durant laquelle je vous présente un jeu lors de ses différentes phases de développement. Et c'est le cas de WildStar, un jeu développé par les studios Carbine et édité par NCSoft, dont la sortie est prévue pour le 3 juin prochain. C'est parti. Si vous vous souvenez bien, je vous ai mentionné que les joueurs ont la possibilité de posséder un domaine, donc il y a bien le système de housing dans WildStar. Et comment ça se passe? Eh bien, première chose, c'est qu'on va aller visiter un peu ce bâtiment qui vous explique un peu quels sont les genres de structures qu'il vous sera possible d'avoir dans votre domaine. Yes, thanks to the Protostar Housing Initiative, you too can have a home with the ultimate view. Just be careful watering that lawn. It's a long way down. Drink Protostar Energy Infusion Beverage Extreme. Voilà, donc on vous explique un peu ce que vous pouvez acheter, etc. dans les cieux. En fait, votre domaine sera dans les cieux, grâce à la machinerie, bien entendu, de la technologie, des exilés, etc. En tout cas, bref. Voilà à peu près ce que vous pouvez avoir chez vous. Pourquoi pas une espèce d'endroit où il y aura un coffre-fort. Why not? Si vous avez les moyens, bien sûr. Un puits de pétrole. Non, une éolienne, pardon. Ouais, c'est un puits de pétrole, en fait. Voilà. Pourquoi pas ce genre de bâtiment-là aussi, ou de structure. Voilà, ok. Alors, donc, nous, on va sortir. Passe une exposition, hein, donc. Et votre intérieur, vous pouvez le décorer de cette manière-là. On va sortir, on va se rendre à notre domaine. Alors, j'ai déjà construit un bâtiment dessus. Ça coûte à peu près minimum une pièce d'or. Et ensuite, vous pouvez construire d'autres structures autour de votre maison principale. Vous pouvez vous rendre de chez vous de deux manières. Si vous êtes à la capitale, utilisez plutôt ce téléporteur-là. Si vous êtes à l'extérieur, bien, vous pouvez utiliser ce raccourci-là, d'accord? Donc, on va cliquer ici. On va dire oui. Et vous allez chez vous. Alors, première chose, c'est que vous avez un barbillard qui va vous octroyer un buff, en fait, dépendamment de vos activités, en fait. Donc, vous avez ça. Donc, vous pouvez choisir un buff pour les donjons, buff de groupe, mais alors pour les aventures. Sinon, vous pouvez avoir un buff pour... C'est un buff de gain d'XP et d'argent en PVP ou alors quand vous faites vos quêtes à l'extérieur, etc. D'accord? Donc c'est, je sais pas c'est quoi la durée exacte, mais vous pouvez juste en avoir un par jour, il me semble. Ou alors vous le remplacez en fait, mais c'est pas, la durée c'est que la dernière fois que je suis passé c'était 4 heures, mais je sais pas si c'est vraiment 4 heures. Okay, ça peut être peut-être 6 heures ou 8 heures ou 12 heures, pourquoi pas. Et ça c'est pour rentrer bien entendu, enfin pour descendre, parce que nous sommes dans les cieux, hein, comme l'a dit la publicité. Ok, voici la planète en bas, et nous sommes ici. En fait ils utilisent des machines pour pouvoir le faire. Je sais pas si on peut le déplacer. Parce que comme vous le voyez ici, on a quand même des pieds. D'accord. Mais bon, c'est à voir exactement. Alors, comment ça se passe exactement? Alors, lorsque vous arrivez dans votre maison, vous avez ce petit menu-là, d'un datacron qui est remplacé. Vous vous souvenez, quand vous êtes en bas, c'est plutôt le datacron lié à votre voix. Donc, voilà, ces quêtes spéciales-là. Et là, c'est plutôt pour pouvoir construire, bien entendu, dans votre terrain. Alors, donc ici, quand vous êtes à l'extérieur... Il faut juste cliquer sur Landscape et là, ça vous donne à peu près ce que vous pouvez construire dépendamment de vos moyens. Par exemple, là, ici, vous avez le bâtiment principal. Donc, moi, c'est ce que j'ai construit ici. C'est une pièce d'or. Là, c'est un rocher parce que j'ai pas les moyens de m'offrir cela. Je n'ai plus. C'est assez cher. Mais on peut regarder, on peut avoir une idée. On pouvait avoir ça. On monte l'intérieur en même temps. Donc, c'est pas mal. Il y a donc... Voilà, un peu plus asiatique, le modèle. Un peu plus nordique, on va dire, ou tribal. Donc, ce sera selon vos goûts. Hein. Vous ne pouvez pas les modifier un peu comme dans Landmarks. Par contre, vous pouvez modifier différentes parties, et non pas la matière. Si, oui, mais moi, je pourrais dire ça. Par exemple, ce porche-là, vous ne pouvez pas, par exemple, modifier les rambardes, etc. D'accord? Ce que vous pouvez changer, c'est tout le porche en entier. La porte, vous pouvez changer. En fait, j'aurai des choix ici, mais c'est pas vous qui le ferez. Vous choisirez juste dans une liste et le menuisier, on va dire la compagnie se chargera de tout modifier, d'accord? Donc voilà ce que vous avez comme choix. Donc ce sera à vous. Donc une fois que vous avez les moyens, vous activez cela
Donc, ce qui se passe, c'est qu'il faudra nécessairement, apparemment, vous remplacer votre bâtiment principal par un autre. Si jamais je vais changer celui-ci, je serai obligé de le remplacer. Ou alors, j'enlève celui-là. D'accord. Quand vous détruisez un bâtiment, vous allez récupérer tous les objets de décor que vous y avez installés. Enfin, ça retournera dans votre réserve ici. Alors, donc, on fait Landscape. On clique sur le bâtiment principal. On choisit celui qui nous intéresse. Et ensuite, ici, il y aura le bouton genre remplacer, etc. Si jamais vous voulez remplacer. En fait, je pourrais enlever ça. Mais non, c'est que je ne suis pas remboursé. D'accord. Et donc, je n'ai pas assez pour pouvoir construire un autre bâtiment. Parce que j'aurais bien aimé le faire. Voilà. Mais c'est trop cher. D'accord. Il faut chasser un petit guerrier, je vous dis. C'est pour cette raison que dans la vidéo précédente, je vous ai conseillé, en tant que même puissant guerrier, peu importe, de pratiquer des métiers. Parce qu'il faut payer des... faut bien entendu payer vos factures, etc. Et arrondir vos fins de mois pour justement vous permettre d'avoir une maison un peu plus agréable. Mais vous voyez que voilà, c'est ce qu'il faut faire. D'accord. Donc vous la construisez, elle va apparaître ici. En fait, ils mettent une espèce d'animation de construction, genre avec les palissades, etc. Et puis tout le matériel. Et ensuite, boum, votre maison apparaît. D'accord. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe à ce niveau-là. Donc une fois que vous avez choisi votre maison, vous pouvez bien entendu l'entourer. Moi, j'ai rajouté un jardin parce que lors de vos aventures, vous allez trouver ici et là des semences. D'accord. Je pense que j'en ai encore. Ouais, j'ai encore. Voilà, j'ai des semences par exemple. Et donc, il vous faut bien entendu un jardin pour pouvoir planter cela. Donc là, vous voyez, ça prend à peu près 25 minutes. Là, je pense que ça fait à peu près 5 minutes que ça a commencé. Donc ça pousse. Ensuite, je pourrais récupérer ça et puis revendre ça à l'HV pour ceux qui font, qui fabriquent des kits de soins, etc. Ils en ont besoin. Même pour la cuisine, pourquoi pas. Donc, c'est à peu près ça. Non, il n'y a plus de terrain fertile, j'ai tout utilisé. Voilà. Peut-être le temps que je fasse la vidéo, tout aura poussé, on pourra récupérer ça. D'accord. Alors, donc, ça, c'est au niveau. C'est que vous pourrez rajouter. Vous pouvez encore rajouter d'autres bâtiments ici. Par exemple, chez Fair Garden. Voilà, je pourrais rajouter un autre jardin encore. Et faire, pourquoi pas, une espèce de ferme carrément. Il suffira juste que je change mon bâtiment principal et je mets des jardins par-ci, par-là. Et puis, je serai un vrai fermier. D'accord. Donc, ce serait ça. Voilà. Et pareil, pour rajouter un autre bâtiment derrière, une structure. Un petit jardin ou un bassin, etc. Tout dépend de vos moyens, de ce que vous recherchez exactement. Pourquoi pas même ça. Why not? Voilà. D'accord. Donc, c'est le même principe derrière. Ensuite, à côté, vous pouvez modifier votre maison, c'est ce que je vous mentionnais tout à l'heure. Donc, vous pouvez modifier votre maison par partie, en fait. Vous pouvez changer, par exemple, le toit. Attendez, on va fermer ça. Faire un zoom arrière. Par exemple, si je veux celui-là, je peux changer celui-là. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas grand-chose. Hein. L'autre, ah, laisse-moi montrer aux autres comment on fait. Il veut pas, apparemment. Ok, c'est ça que j'ai choisi. Donc, vous pouvez modifier par ça. Si je vais faire... Ouais, ça change. Donc... Ouais, c'est pas... Mais bon, c'est encore bêta. Ils ont le temps de rajouter un peu les... Vous offrir un peu plus de choix, n'est-ce pas? Donc, je peux modifier ça. Je peux modifier le mur. Et cette manière-là. Ouais, c'est 1000 platines. Ça rigole pas du tout. Vous pouvez changer l'entrée. Donc, le porche dont je vous parlais. Ouais, c'est vraiment tout que vous changez. Vous pouvez pas changer genre juste ça ou bien mettre autre chose ici. Non. D'accord, c'est vraiment l'ensemble du porche. Vous pouvez changer la porte. Et vous pouvez changer le ciel. Ça, je trouve ça magnifique. Attendez. Un zoom, c'est le maximum. Voilà, bon, voilà. Vous pouvez changer le zoom, en fait. Enfin, pas le zoom, mais le ciel. D'accord, quelque chose beaucoup plus. Changer, en fait, le biodôme. C'est-à-dire, carrément, le climat de l'endroit. Bon, c'est au nord du Canada, genre. Il faudra juste un chalet, et pourquoi pas. Et pour l'instant, on peut pas changer la terre, en fait. Genre mettre juste la neige, etc., ou juste de l'eau, pourquoi pas. Pour l'instant, c'est pas possible. Ce serait assez intéressant s'ils activaient cela. Voilà. Un peu plus dark, plus sombre. Pourquoi pas. Vous pourriez, par exemple, faire choisir ça comme ciel, et puis rajouter une espèce de mangrove, ou alors de marigots, tout ça, pour, je sais pas, vous êtes une espèce de sorcier, puis faire une maison de sorcier, quoi, une vieille cabane, et tout. Effrayant. Je vais rajouter des feux d'artifice, dans genre le style Walt Disney.
Regardez ça. En permanence, hein. Voilà. On peut rajouter Happy Land. Voilà. Arc-en-ciel, c'est tout. Ça, c'est... Et bien entendu... c'est Chivalin qui va apprécier ça. Voilà. Happy. Ok. Ensuite, vous avez bien sûr... Vas-y. Là, c'est beau, ça. Ouais. Je pense qu'il y a Aurore Boréale, voilà. C'est pas mal. Si j'avais les moyens, j'aurais choisi ça. Deux pièces d'or. Ouais, à un moment donné, peut-être. Qu'elles soient beaucoup plus galactiques. Ouais, c'est pas mal ici. Mais ça coûte cher, hein. Vous pouvez le voir ici. Ça rigole pas du tout. Ok. Pareil. Voilà. Ok. Donc, c'est comme ça que ça se passe à l'extérieur. Et vous avez bien entendu votre réserve. Au niveau de ce qui peut servir comme décor, j'ai par exemple ce lampadaire que je pourrais mettre devant. On va placer ça. Ah, il est là-bas. On va faire ça, voilà. Donc on peut fermer ça. Donc je fais juste de cliquer avec le bouton droit. Voilà, et vous avez les options. Quand vous cliquez au milieu, vous avez les options ici pour pouvoir agrandir, bien entendu, la dimension de la lampe. Et on peut la déplacer. Attends, on va faire ça, voilà. On peut déplacer comme ça. La placer là. Ensuite, vous pouvez la tourner comme vous le désirez. Et je pense que c'est bon. Il est bien en sol. Voilà. Et on clique à l'extérieur. Et voilà. Il en faudra une deuxième ici. D'accord ? Maintenant, à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? On entre avec le bouton droit, et voilà. Donc, on m'a offert un lit lors d'une quête, donc j'ai mis ça. C'est très lit de grand-mère, mais bon, c'est un guerrier pauvre, hein, donc forcément, comprenez qu'il va se... il va se contenter de ça. C'est sûr qu'il n'invitera pas Shivana ici, hein, c'est pas assez glamour non plus. Et puis, ça fait un peu trop... on appelle ça, genre j'ai une sœur ou bien un frère qui est marié, qui a une bonne situation, et puis les gars voulaient jeter par exemple ce genre de siège là lors d'une vente de garage, ou pourquoi pas pour recycler, et moi j'ai récupéré ça, ouais. Regardez, j'ai également un trophée aussi, un alligator, c'est connerie, c'est honteux. Voilà, on va faire quelque chose de beaucoup plus modeste, voilà, un petit alligator. Et en plus, je pourrais le placer, tiens, pour qu'il au-dessus de lui, au-dessus du lit. Voilà. J'espère qu'il sent bon, lui. Ce serait un peu le tourner comme ça. Non, on va regarder comme ça. Voilà. Oh, il a disparu. Mais, pourquoi t'es... Reviens, toi. Voilà, tu te mets là. Ok, tu bouges pas. Tu es petit. Voilà. Oh, il y a encore plus... Ah, ça, j'ai pas fait tout à l'heure. D'accord, vous avez encore plus de contrôle ici. Damn. Ah, joli, on irait dans Rift, hein. Et voilà, donc, en fait, vous pouvez même copier la transformation pour pouvoir... Par exemple, si vous avez beaucoup de ce type de trophées-là, en faire plusieurs. Ça peut être, je sais pas, des miroirs ou des photos, peu importe. Comme ça, vous pouvez sauvegarder. Est-ce qu'on peut sauvegarder ça? Non, ça, on peut renvoyer ça dans votre réserve, si jamais vous n'avez pas besoin. Oh, intéressant. C'est pas mal. Voilà, on valide, normalement ça, voilà, ok, voilà comment ça se passe, ça c'est également ce moment, je sais pas, j'ai vu ça, je vais faire croire que c'est une télé, j'espère que ça a marché, oh, ce n'est pas... non c'est une plaque de métal, je sais pas à quoi ça va servir, mais bon, pourquoi pas, ça peut faire une, ah on peut l'utiliser pour une table, hein. Attendez, ouais. Ah en fait c'est une table, oh le noob, moi je l'ai mis au mur, faire croire que c'était c'était une télé écran géante et tout. Allez, on va garder ça comme ça. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà, d'accord. Ok, Uchiha, c'est technologie. En fait, il faut un projecteur. Et ainsi, bien entendu, le film va être projeté sur cet écran-là, d'accord. On va garder ça comme ça. Pas besoin de table, moi. Voilà à peu près comment ça se passe. Hein. Je pense que j'ai encore d'autres objets ici. C'est quoi ça? Un arbre? Non. Allez, clique là, on va renvoyer ça dans la réserve, voilà.
Ça, c'est... Ah, une tasse de thé. Bon, on va l'utiliser. T'es où? Qu'est-ce qu'il fait ici? Voilà, et ici. Tasse de thé pour mon chocolat chaud. En plus, ça fume, regardez. Ah, c'est bien. Voilà. Ok, donc je me réveille. Un petit... je sais pas comment c'est arrivé là, mais en tout cas, il y a du chocolat dedans. Et je vais boire et puis aller au boulot. Et... Ah tiens, on va déplacer vu qu'il y a la télé en face. On va le tourner comme ça. Un peu trop près, hein. Et je pense qu'on va reculer jusqu'au lit, voilà. Comme ça, pendant que la demoiselle est en train de dormir, moi je pourrais regarder tranquillement mon film. Voilà. Oh non, ah, c'est vrai, il faut valider, pardon. Donc on clique. Non, ici. Comme ça. Je le déplace ici. On le tourne. Voilà, on appuie dans sur les options. Voilà. Et on l'a. Mais. Ah. Il veut pas, quoi. Voilà. Reviens ici. C'est facile, d'accord, tu tournes, nickel, tu viens ici, tu donnes un cœur. On va reculer un peu. Ça va. Ouais, encore un peu plus à gauche. Voilà, on fait ça, et bouton gauche, c'est ça. Voilà. Ok. C'est nickel. Alors là, vous posez la question. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Non, on peut pas interagir avec les objets. Hormis les plantes. Pour l'instant, de ce que j'ai découvert. Et donc, je trouve ça ridicule. Ça fait penser un peu à Landmark. Vous savez, EverQuest Next, Landmark, où on peut... Où justement, j'ai vu encore des photos et des vidéos où les gens font preuve d'une créativité vraiment énorme dans ce jeu. Mais la question est toujours la même à la fin quand j'ai fini de regarder la vidéo ou l'image. À quoi ça sert? Non, je veux dire, tu peux pas interagir avec. Tu peux pas t'asseoir. On peut pas, hein, rien du tout. Je veux dire, hormis bien entendu modifié, mais on peut pas vraiment s'asseoir, dormir, quoi. Par exemple, dans Final Fantasy XIV, vous avez une petite chambre d'hôtel que vous pouvez réserver, bien sûr. Ah ouais, un petit système, mais ça, c'est sûrement par rapport à celui-là. Vous avez. Quand vous interagissez avec le lit et que vous vous endormez, votre personnage bien entendu se couche, eh bien ça vous fait déconnecter, d'accord. Et quand vous revenez, vous avez bien entendu le bonus de repos, etc. Et là, je me pose la question, à quoi ça sert justement de perdre son temps, enfin pas perdre, mais consacrer son temps à façonner un bel endroit et ne pas pouvoir l'utiliser. C'est bête complètement, quoi. D'accord. Bon, on va sortir. Donc c'est à peu près ce que je voulais vous montrer. Attendez, non, on peut y aller. Enfin, un peu comme l'extérieur, pour également modifier l'intérieur de votre maison au niveau des couleurs. Donc, par exemple, vous pourrez changer l'air ambiant. De cette manière. C'est plus mignon, comme ils disent, cute. Faire ça. Un peu plus chaud. Très chaud. C'est un peu mieux. Bon, juste peut-être des lampes de cheval, et puis ça devrait être bon. Couleur sépia, ceci c'est pas mal du tout. Voilà, un peu plus enfumé. Sinon, vous pouvez également changer, bien entendu, les murs. Attendez, on va prendre quelque chose de classique pour qu'on ait une meilleure vue. Attendez, on va revenir. Donc, on va changer par exemple. On peut changer le bois en fait. Il y a des coques comme ça. Voilà, un peu plus métallique. Voilà, vous pouvez également changer les murs. La couleur et la matière. Vous pouvez changer le sol. Vous pouvez changer, et bien entendu, la lumière. La luminosité, pardon. Vous pouvez changer le plafond. Attendez, est-ce qu'on peut voir? Dommage qu'ici on puisse pas passer à vue à la première personne comme ça. Vous aurez une meilleure.
Ok, on va essayer comme ça. C'est pas si vous voyez quelque chose. Ouais, vous voyez ici. Ça devrait être correct. Voilà. Ok, donc c'est à peu près la même chose que tout à l'heure. Si jamais vous avez des objets dans votre réserve, ben, c'est ici que vous l'ouvrez ici. Et vous faites glisser comme pour la tasse de thé. Enfin, apparemment, j'en avais deux. Voilà. Ok, maintenant, on va sortir de la maison. Sinon, vous avez un vendeur. Si jamais vous avez besoin de plus d'objets, ça coûte cher. Un vase, ce serait pas mal. Mais ça coûte cher. Ça rigole pas du tout. Un bar, etc. D'accord? Voilà à peu près comment ça se passe à ce niveau-là. Mais le résultat est assez intéressant, surtout au niveau du jardin. Hein, ça a poussé. Voilà. Et je peux récupérer ça. Voilà. Et ça va servir pour la cuisine, bien pour faire des potions. Et là, j'ai un terrain fertile. Donc, je vais ouvrir mon inventaire. Et là, je peux mettre autre chose, par exemple ça. Je place comme ça. Voilà. Et dans 25 minutes, ce sera prêt. Dans 20 minutes, pardon. Et c'est plutôt 25 minutes. Voilà à peu près comment ça se passe à ce niveau-ci. Et la question de temps qu'on se pose, hormis le fait est-ce qu'on peut utiliser. Non, ok. Est-ce qu'on peut. Les gens peuvent visiter? Je n'en sais rien, j'espère que oui, parce qu'à quoi ça sert d'embellir cet endroit-là, ne pas pouvoir crâner ou inviter quelqu'un. Moi, j'aimerais bien, par exemple, quand le jeu va sortir, prendre le temps de décorer l'endroit, d'abord de m'enrichir, de décorer bien l'endroit, et puis d'inviter Shyvana à passer un week-end tranquille ici, quoi. Donc, forcément, si je peux pas l'inviter, à quoi ça sert? Je veux dire, à quoi ça sert de ne pas pouvoir crâner devant les gens ou bien leur faire apprécier votre créativité? N'est-ce pas? On est là pour partager les choses. Ok, donc c'est à peu près ça, je pense. Alors, mon impression, le concept est bien. Les choix sont également intéressants. Je dis que c'est beaucoup plus abordable que dans le Landmark, parce que dans le Landmark, c'est vous qui apportez tous les outils dont vous avez besoin pour construire votre maison. Et il y a un côté avantageux, c'est que, bien entendu, c'est vous qui avez tout façonné. D'accord? Donc, au final, vous apprécierez beaucoup votre travail parce que c'est vous qui avez tout conçu. Le prérequis, par contre, c'est que vous devrez passer beaucoup de temps dans le jeu. Là, je parle de Landmark parce que les ressources, c'est vous qui devrez les obtenir. Donc, aller miner, etc. Et ça, c'est long, c'est vraiment long. C'est du Minecraft, quoi, d'accord? Donc, c'est très long. Et encore, dans Landmark, il vous faut changer le plus souvent de continent pour aller récupérer tel minerai en particulier parce que ça n'apparaît que dans tel biodôme par exemple, etc. quoi. Ok, ici c'est beaucoup plus abordable dans le sens où on vous donne tous les outils, toutes les ressources. En même temps, c'est à vous de choisir ce dont vous avez besoin et puis dépendamment des moyens. Mais là également, il faut farmer en quelque sorte parce que vous avez besoin d'argent. Ok, c'est pas le premier venu qui va s'offrir ça par exemple. C'est 3 platines. Ok, 3 platines, 3 platines. Ah, c'est une pièce d'or, etc. Voilà. Ah, c'est 25. Et j'ai 16. J'aurais pu rajouter ça. J'ai pas assez d'argent. Voilà. Ok? Donc, voilà comment ça se passe à ces niveaux-là. Et donc, j'aime bien le côté abordable, etc. Au niveau de la prise en main, je veux dire. Mais au niveau des prix, c'est assez élevé. Mais c'est pas négatif dans le sens que, bon, leur idée, bien entendu, c'est que vous passez beaucoup de temps dans le jeu. Ok, c'est pour ça que au niveau des métiers, on vous restreint à juste deux métiers avec bien entendu des récupérations de 4 jours. Et là, ici également, bon, 3000 platines, c'est qui peut s'offrir ça, à part le gars qui dort dans le jeu. Ouais, bah, vous vous souvenez avec chez le vendeur. Ça, regardez-moi ça. 1500 platines. Ah, juste pour ça, en fait. 1500 platines. Dingue. Il me semble que c'est la platine, hein. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais je pense que c'est la platine. Hein. Voilà. Ok. Donc c'est à peu près cela. Sinon le concept est bien. Déjà le fait que ça existe dans le jeu, bon, c'est intéressant. Malheureusement, vous pouvez pas interagir avec. Et surtout, on sait pas si on peut visiter les domaines des autres. Et ça, je sais pas si ce sont les domaines ou c'est juste des décors. Vous faire croire que vous n'êtes pas seul, mais en fait, vous êtes vraiment seul. Mais bon, peut-être que c'est vraiment deux joueurs qui sont là. Ok? Donc voilà à peu près ce que je voulais vous montrer à ce niveau-ci du jeu.
au niveau du housing, donc vous voyez que c'est possible, que ça existe dans le jeu, et voilà à peu près ce que vous pouvez faire dedans, et puis ça s'arrête là. D'accord? Allez, donc merci de votre patience, d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve une prochaine fois, d'ici là, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et comme d'habitude, n'encouragez pas la médiocrité. Ciao, ciao, et bonne année!